Votre enfant s'apprête à prendre son indépendance et quitter le foyer familial. Inscription dans un nouvel établissement scolaire, recherche d'un logement, les démarches peuvent être nombreuses. À quelle assurance faut-il penser quand un jeune devient indépendant ? Devenir indépendant est un cap important qui implique des changements. Pour répondre à leurs besoins spécifiques, ainsi qu'à leur budget, les contrats d'assurance prévoient des formules conçues pour les jeunes. Côté assurance habitation, des formules adaptées pour les jeunes sont proposées à des tarifs attractifs. Elles proposent des garanties essentielles pour couvrir le logement et les biens personnels contre les principaux risques, comme les dégâts des eaux et les incendies. Que ce soit une chambre dans un logement universitaire, un appartement indépendant loué seul ou en colocation, l'assurance habitation reste obligatoire pour tous les locataires. Côté santé, les frais peuvent représenter une dépense importante dans le budget d'un jeune. Les complémentaires santé remboursent tout ou partie de ces frais. Grâce au panier 100% santé, une sélection de lunettes, de couronnes et soins dentaires ou d'audioprothèses sont intégralement remboursées et donc sans aucun reste à charge. Pour être assuré dans le cadre de ses études ou de ses stages, la garantie responsabilité civile est indispensable. Incluse dans le contrat d'assurance habitation, elle couvre l'assuré en cas de dommage causé à une tierce personne. En général, le contrat des parents couvre toute la famille. Mais attention, certains contrats assurent les enfants jusqu'à un âge défini. Un point important à vérifier dans le contrat si le jeune ne possède pas une assurance habitation à son nom. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre conseiller caisse d'épargne.